Pour une poignée de dollars, connard. Que ferais-tu pour une poignée de dollars, connard? C'est ce que je ferais pour une poignée de dollars, connard. Puisque la vie n'est remplie que de tarbats, tels que ces profs qui, avant d'avoir des preuves, me montraient du doigt. Je m'en vais combattre le mal par le mal, accompagné d'eux, armé d'eux, et me voit à le voilà. Je guette ma proie près du distributeur, dealer. Patiemment je suis et j'attends mon heure. Il vient un moment où les choses se précipitent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ferme ta gueule, passe-moi l'argent, tout va trop vite. Les coups fusent, c'est le rythme. Lorsque la victime résiste, on ne se retourne jamais. C'est juste une autre sur la liste. Mais cette fois-ci, malheureusement, les choses ont mal tourné. Me voilà prisonnier, arrêté, gardé en GAV. Les inspecteurs essaient en vain de me faire cracher le morceau. Utilise la menace pour que je craque, balance mes pincos. Mais pas question, les vrais Nambo ne balancent pas. Alors je ferme ma gueule, j'assume. Et je reste froid devant les insultes répétées des policiers, me rappelant soudainement qu'ici je ne suis qu'un étranger. Obligé, on passe auto, empreinte, photo, empreinte. Traité en qu'un frère mafioso, en moi monter la crainte. L'Algérien d'à côté voudrait seulement fumer, mais à force d'être insulté, il voudrait même se suicider. Il rentre à 8 dans la cellule, le tabac sa mort. Ce fils de pute m'a sali, dit un keuf à qui je souhaite la mort. À qui le tour, tête à moi ce jour. J'ai senti la patate, mais crois-moi, regarde-moi, je suis par Rodney King. De plus, je n'ai comique un petit délit, 48 heures qu'on me garde ici. Sûr, putain, je pète un plomb. Plus, si crois que je vais donner des noms. S'ils savaient qu'ils perdraient beaucoup moins de temps en me suçant la bite. Maintenant tu sais qu'où j'habite, le 94-310. Avec nous y'a pas de pisse. Sais-tu ce que je ferais pour une poignée de dollars, connard? Braquage en temps gris. Les gens rigolent. Que fais-tu pour une poignée de dollars? Il sera plus caché moi la question sur connard. Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Je te rappelle, et qu'on a plaisir à voir les nôtres au parloir. Que ferais-tu pour une poignée de dollars, connard? Il sera peut-être trop tard quand tu le seras, connard. Je te rappelle, crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Et qu'on a plaisir à voir les nôtres au parloir. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Il sera peut-être trop tard quand tu le seras, connard. Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Et qu'on a plaisir à voir les nôtres au parloir. Écoute, regarde, ne régale pas, on est des déshérités. Les jeunes du ghetto sont prêts à aller au placard. Deal, bis, braquage en temps de crise. Espèce de connard, de leur colère, accuse tu le vas pouvoir hériter. Écoute, ma foi, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Maintenant on n'a plus le choix, on voit un grand chez nous, chez les autres. Ma t'observe pour un simple regard. Les jeunes du ghetto s'énervent, sont prêts à aller au placard. Écoute, jeune étranger, tes parents ont servi de main d'œuvre pour reconstruire la France. Et désormais elle l'œuvre dans un autre sens. On sait que toi elle s'en balance, elle a plus besoin de toi. Donc forcément elle brise tes chances. Et c'est la dette ton enfance. Tu danses entre stupéfiants, violence et les coups de balance. Tu considères être tombé par l'inexpérience. Et le chétan ricane dans l'ombre car il mène la danse. Je le savais mais j'ai foncé, la tête baissée, pas le temps de penser. T'es-tu déjà retrouvé avec l'envie de tout défoncer? Me demander ce que je ferais pour une poignée de dollars, c'est demander à Chirac ce qu'il ferait pour conserver le pouvoir. Chercher à impressionner personne, d'ailleurs j'causerais d'autres choses, je ferais flipper plus d'une personne. Je parle de ça et à l'époque, évidemment j'étais qu'un môme. J'étais pas parti en couille, je voulais juste être autonome. Autonome, tu vois ce que je veux dire. Ne comprendront que ceux qui doivent comprendre. La fin et les moyens, rien d'inédit, je vais pas te l'apprendre. Je remercie Dieu si aujourd'hui tu as la chance de m'entendre. Sera cédé, alors j'aurais peut-être pu t'agresser, tout te prendre. J'ai lutté et je continue pour éviter la prison. J'ai mal pour ceux qu'ils ont eu. L'État n'a pas eu ma raison, les gens sont victimes du sort. Sur le chemin, trop désillusion. Parler de leur destin ne peut se faire avec dérision. Écoute, regarde, pour une poignée de dollars, les jeunes du ghetto sont prêts à aller au placard. Deal, bise, braquage en temps de crise. Espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Il sera peut-être tard, tu seras connard. Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Et qu'on a plaisir à voir les nôtres au parloir. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Il sera peut-être si trop tard, tu seras pour du connard. Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Et qu'on a plaisir à voir les nôtres au parloir. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Il sera peut-être trop tard quand tu seras connard. Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Et qu'on a plaisir à voir les nôtres au parloir. Écoute, regarde.
pour une poignée de dollars. Les jeunes du ghetto sont prêts à aller au placard. On deal, on bise, on braque en temps de crise. Espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Écoute, fais-tu pour une poignée de dollars. Deal, bise, braquage en temps de crise. Que fais-tu pour une poignée de dollars. Espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Mais qu'est-ce que tu fais pour une poignée de dollars. Deal, bise, braquage en temps de crise. Mais qu'est-ce qu'on fait pour une poignée de dollars. Espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Écoute,